président de la République. Nous sommes réunis ce soir pour Bertrand Piccard, qui est un explorateur, un inventeur, un inspirateur. Donc il était temps que nous puissions non seulement le rencontrer, mais le saluer. Avec Solar Impulse, vous aviez démontré que les énergies renouvelables pouvaient faire voler des avions. Et vous avez donc pu inspirer la COP21. Il n'y avait pas meilleur exemple, pas meilleure démonstration que de présenter cet avion. Vous avez été capable de faire que l'environnement de notre planète puisse être changé par votre propre intervention. Et vous avez grandi les dirigeants du monde. Vous n'avez pas simplement, comme votre père et grand-père, regardé la Terre, vous l'avez changée. C'est pour cette belle idée du progrès que la République française voulait vous distinguer ce soir. Au nom de la République française, nous faisons officier de la Légion d'honneur. Ce qui nous caractérise tous ici est notre foi dans la nécessité absolue d'engager des mesures pour protéger notre planète. Aujourd'hui, c'est le monde entier qu'il faut libérer de sa dépendance aux énergies polluantes, de son manque de respect envers la nature et de son manque d'empathie face à la vie sous toutes ses formes. Cette décoration, Monsieur le Président, est la plus belle récompense que vous pouviez me faire, que vous pouviez faire à cette équipe. Mais encore plus que tout, vous m'encouragez. Vous nous encouragez tous à continuer. De mon côté, je me suis engagé à apporter pour COP24 1000 solutions rentables capables de protéger l'environnement. Pour y parvenir, la Fondation Solar Impulse est en train de constituer l'Alliance mondiale des solutions efficientes. J'entends déjà les voix de ceux qui pensent que c'est impossible. Quelle stimulation pour réussir !